j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog improvisé. Avec mon chéri, on est parti à la forêt de Brousséliande, donc c'est à peu près 2 heures de la maison. Il est derrière d'ailleurs. Et puis on a Mimi dans le sac à dos. Puis s'il n'y a pas trop de chiens là-bas, on la lâchera peut-être en laisse, qui sait. Là-bas, là, c'est l'arbre d'or, ils appellent ça. Et en face de nous, là, enfin en face de moi, parce que Tanguy il doit être par là-bas, là, je sais pas où il est, il y a un lac qui s'appelle le Miroir aux Fées. Hop, donc c'est ça. Puis, si on est attentif, on pourra peut-être en voir des petites fées. On verra. Comment la feignasse a fini. Découvrir la table ronde d'Arthur. Alors ils disent que c'est une œuvre de Michael Tommaso. Donc maintenant on va voir une fontaine qui s'appelle la fontaine de Barenton, donc elle est connue pour ses vertus magiques, à ce qui paraît, elle guérit. Maintenant on va en direction du chêne à Guillotin, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un énorme chêne qui a entre 800 et 1000 ans, et selon la légende, parce que dans le tronc il y a un creux, selon la légende, Merlin se serait caché dedans. Allez, on va voir ça. Sur la tombe de Merlin, c'est un peu gadouilleux, mais on s'y fait. T'es prêt à devenir immortel? Immortel. On va à la fontaine de Jouvence. Ah, j'étais noire pendant un instant là. À la fontaine de Jouvence, il n'y avait pas d'eau. Du coup, on va aller voir Excalibur. Des fois que. Je crois que je suis pas le roi Arthur. Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche pour plus de vidéos.